Rive droite de Bordeaux, quartier Benauge, un bureau de poste très fréquenté. Les habitants, assez âgés, ne veulent pas le voir fermer. Mais là, vous voyez, je viens pour ma belle-sœur qui avait un courrier à poster. Et puis je l'ai posté. Et puis on est content de poster nos lettres ici, quoi, je dirais. Au lieu d'accourir là, parce qu'il n'y a même plus de boîte aux lettres, je dirais. L'avenue Thiers, moi, ça me fait trop loin. Déjà que j'ai des soucis pour me déplacer. Donc vraiment, ça ferait vraiment défaut au quartier si vraiment ça venait à fermer. La poste ne peut pas quitter son territoire. Elle peut se transformer en passant un accord avec la mairie ou un commerçant. Mais pour les syndicats, ce n'est pas souhaitable. C'est moins de services proposés et moins d'emplois. Ici, on a un exemple précis de ce que veut faire la poste, c'est-à-dire supprimer de plus en plus les bureaux de poste, et notamment dans les quartiers populaires. Il y a quelques jours, on était à Bordeaux Grand Parc, là aujourd'hui on est ici, vous avez Bordeaux-les-Aubiers. À chaque fois, la poste essaye de se désengager de ces quartiers, on va dire, populaires. C'est uniquement budgétaire, je pense, puisque la poste ne nous parle que de ça. C'est du budget, ça coûte trop cher. Pas assez de fréquentation. Jointe par téléphone, la direction de la poste déclare qu'aucune menace ne pèse actuellement sur ce bureau. Il restera même ouvert tout l'été, contrairement aux années précédentes.